Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, que vous avez passé un super bon week-end. Et bah, bienvenue pour une nouvelle semaine de live. Attendez, on est lundi? Oui, c'est bon, on est lundi. Mais c'est bon, on est vendredi. Et bien aujourd'hui, on reçoit Eva Strada. Bonjour Eva. Bonjour, bonjour tout le monde. Et bah, je crois que tu as la pêche aussi. Oui. Ça va aller. Oui, oui. Oh bah, vous connaissez le petit rituel, c'est la tournée des bisous pour les gens qui sont sur le chat. Du coup, du côté YouTube, je vois plein de nouveaux noms, donc ça me fait trop plaisir que vous soyez là. Bienvenue, communauté Adobe. Du coup, du côté YouTube, bonjour à Charlotte, Virginie, Glax, Nicolas. Hey, ça fait longtemps, Nicolas. Fidéo, et il y a Alexandre qui va vous partager le lien pour nous rejoindre du côté Behance, parce que Behance, ça nous permet de stalker vos portfolios. Et du coup, c'est plutôt cool. Et puis, vous verrez, il y a toute la communauté qui est là et c'est quand même vachement sympa. Du coup, du côté Behance, bonjour à Nikki, Stéphane, qui est au taquet. Je crois que ça commence. Delphine, Jamila, Nikki, je l'ai déjà dit, Diatou, Clémentine, Gérald, Héloïse, Franck, Julien, Laurent, Alex. Et n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Voilà, on est là pour ça. Allez, c'est parti. Toi. Ah oui, je lance l'intro comme ça. Ah bah voilà, allez. Non, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots qu'on en sache un petit peu plus sur qui tu es? Oui, pas de souci. Bah, du coup, je m'appelle Eva. Si vous ne me connaissez pas du tout, je suis graphiste et j'ai entre autres une chaîne YouTube qui s'appelle Eva Strada. Je sais pas, j'ai 28 ans. Je sais pas quoi dire. Et du coup, tu fais plein de choses. T'as un peu la bougeotte aussi, toi. Oui, oui, pardon, j'arrête pas de bouger. Non, non, là, plein de choses, la bougeotte dans le sens plein de projets. Ah oui, oui, clairement. Ouais, en fait, depuis que j'ai commencé mes études de graphisme, pardon, j'ai toujours voulu être une touche à tout, vraiment avoir un profil hyper 360, parce que j'ai pas envie de m'enfermer dans un truc. Moi, je suis hyper dynamique, j'aime toucher à tout. Et du coup, oui, en effet, j'ai commencé à apprendre le graphisme pur et dur. Et ensuite, je me suis lancée dans l'illustration, le montage vidéo, l'animation. J'ai commencé à faire des choses manuelles, de la peinture, de la poterie et de la linogravure aussi. Ah, c'est bien ça. Mais voilà, ouais, vraiment un profil un peu couteau suisse, comme j'aime m'appeler. et voilà. Eh bien, écoute... Est-ce qu'on regarderait pas ça un petit peu de plus près? Bien sûr. Qu'est-ce que tu as envie de nous montrer en premier? Alors, on voit pas la chaîne YouTube, du coup. J'imagine ouais, bah, moi, je t'avais trouvé... on m'avait parlé de ta chaîne YouTube, en fait. Oui, c'est il me semble que c'est Louise Boulet qui a fait référence à, ouais, c'est ça. À ma chaîne. On se suit mutuellement. C'est une personne adorable et très douée. Donc. Encore merci à elle. Mais oui, du coup, j'ai une chaîne YouTube que j'ai lancée pendant le confinement, le premier, parce que, qui concerne le graphisme en général et la création artistique, vraiment, c'est un truc assez global. Mais j'ai créé cette chaîne parce que pendant le premier confinement, mon boulot, on n'avait pas beaucoup de travail et je m'ennuyais beaucoup. Et je refuse de perdre mon temps et de perdre mes capacités graphiques. Donc, j'ai créé une chaîne YouTube sur laquelle je pourrais m'exprimer un petit peu. Et donc, voilà à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaîtraient pas. J'ai commencé par faire des vidéos de redesign de logo. Ouais. Ça parlera probablement du coup à ceux qui connaissent Balot, Justin Buisson et toute la panoplie de YouTubeurs comme moi qui se sont lancés dans ce créneau-là. Ouais. Mais voilà, j'ai commencé par ça et puis petit à petit... À nouveau, j'ai eu envie de me diversifier, donc j'ai fait
des vidéos beaucoup plus créatives. Je redécore un pot à la peinture, je fais de la céramique, de la peinture. Enfin, vraiment plein de choses. J'ai aussi eu envie de faire de l'illustration sur ma chaîne. Et donc, j'ai fait des vidéos de ce type où je dessine le tatouage des gens à la demande. Donc, c'est-à-dire que je reçois un mail, on me dit, eh ben voilà, moi, j'aimerais bien une fleur. Est-ce que tu pourrais me dessiner une fleur dans ce style-là? Et si le projet me plaît, je le dessine et j'envoie le dessin pour la personne, si elle souhaite se faire tatouer ou non. Ça peut juste être un dessin. C'est rigolo, ouais. Ouais. Mais voilà, puis après, je parle aussi de mes projets d'école, du graphisme plus en général, mes expériences professionnelles aussi. Voilà, très, très varié. Oui, bah, en fait, c'est pour ça que je voulais que tu viennes. C'est parce que déjà, il y a très, très peu de youtubeurs français qui parlent de graphisme. Oui. Et alors, en plus, quand c'est une youtubeuse, là, on tombe dans le... Du coup, allez, c'est parti. Oui. Mais c'était oui. Quoi tu voulais t'adresser à qui, en fait, en faisant ta chaîne? Alors, avant tout, je voulais me faire plaisir à moi, très honnêtement, parce que ça faisait des années que je voulais lancer une chaîne et j'hésitais sur la thématique. Et je voulais pas trop me lancer... J'aurais pu me lancer en lifestyle, mais je pense que j'ai pas grand-chose à apporter de ce côté-là. Du coup, je me suis dit, quelle est ma plus-value? Bah, ma plus-value, c'est ma créativité, donc go, on va là-dessus. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour de parler de mes expériences pour potentiellement des étudiants qui rechercheraient quoi faire comme métier, s'ils sont intéressés par l'art ou le graphisme, bah, leur donner une petite vision sur ce que ça peut être que d'être graphiste. Et puis, j'avais également envie, parce qu'il y a plusieurs graphistes francophones sur YouTube, mais il y a peu de femmes dans ce milieu, sur YouTube en tout cas. Et du coup, je voulais absolument... Enfin, je me suis dit, bon, bah, y a une place à prendre et je veux montrer qu'on peut être graphiste et une femme aussi. Et sur YouTube, que... alors tu commences à cumuler, là. Non, mais voilà, c'est pas non plus un point hyper... ouais. Je défends pas cette cause à mort, mais c'est vrai que je trouvais que c'était dommage, on avait... Enfin, concrètement, moi, dans mon école de graphisme, on était beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et bah, bizarrement, sur YouTube, ça ne se reflète pas du tout. Donc, je me suis dit qu'il était temps de redresser un peu tout ça. Ouais, carrément. Bah, pour ceux qui nous regardent et que ça surprend qu'on dise ça, en fait, c'est parce que dans la programmation de la chaîne, on fait très, très attention en fait, à inviter beaucoup de femmes, à les dénicher, leur donner la parole et tout. Et c'est pas forcément... Enfin, c'est une vraie volonté de notre part. Et sur YouTube, c'est vrai que c'est pas du tout reflété. Je trouve qu'il y a pas du tout la parité, quoi. Quand on regarde le top 10 des YouTubeurs français, ça rend triste, quoi. Donc, voilà. Faut encourager ça à prendre la parole. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, en tout cas. Donc, c'est une super bonne chose. Je suis très contente. Bah, c'est clair. Ouais, c'est cool. Par exemple, je vois là que t'as une vidéo « Être graphiste à Paris ». Toi, tu voulais parler aussi de la vie professionnelle. Oui, exactement. Et dans cette vidéo-là, je voulais bah justement, à nouveau, plutôt à destination des jeunes étudiants ou des personnes qui sortent d'études et qui commencent dans la vie active, je voulais expliquer un petit peu quelles étaient la situation à laquelle ils vont être probablement confrontés. C'est pas forcément toujours le cas, mais je voulais parler de salaire, de quels étaient les postes qu'on pouvait occuper en tant que graphiste, directeur artistique, machin. Enfin, y a plein de termes différents, donc je voulais un peu expliquer ça. Ma situation personnelle à moi aussi, et je voulais, dans cette vidéo-là, et ce n'est pas un thème récurrent, mais j'en ai parlé, je voulais aborder le sujet des conditions de travail, notamment à Paris, puisque c'est ce que je connais, donc je ne vais pas parler pour les autres, mais l'ambiance dans certaines boîtes qui n'est pas tout à fait ce à quoi on s'attend quand on finit nos études. Et qu'on ait plein d'espoir et de bonne volonté. Non, mais du coup... c'est un sujet un peu dur, mais bon, je pense que... vu que je commence à avoir quelques abonnés, je pense que c'est intéressant de ne pas cacher ça, parce que c'est une réalité, donc... Carrément. Voilà. Attends, j'ai plein de questions. Mais du coup, on a Christophe qui nous dit « Eva, je suis déjà abonnée à ta chaîne, ça fait 6 mois. » Trop merci, cool. C'est trop gentil. Merci beaucoup. Écoute, comme tu veux, est-ce que tu préfères qu'on rentre dans tes projets? Moi, j'aimerais bien aussi qu'on parle de ce dont tu abordes, tu vois, parce que
On m'avait dit que tu étais de bons conseils sur Ah bon? la vie professionnelle, tu vois, justement. Ouais. Voilà, on peut regarder un petit peu ton portfolio et puis après, Yes. si tu avais des questions sur le métier, tu vois, je suis un petit peu curieuse de ce que tu nous dis, que tu as eu peut-être une déception en sortant des études et tout, ce serait cool qu'on parle de ça après. Ouais, bah, pas de problème. Du coup, je vais vous montrer rapidement mon Behance. Donc, il n'est pas très très fourni, je suis désolée. Mais j'ai beaucoup de brouillons, mais peu de projets vraiment aboutis. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai en stock maintenant. Bah, ce que tu disais, c'est que toi, tu es en agence et que en fait, tu as plein de projets qui sont confidentiels. Oui, c'est ça. C'est ça. Je ne peux Ouais. pas vraiment montrer mes projets parce que c'est des projets que je fais maintenant, mais qui sortent plusieurs années plus tard. Année? Oui. Ça peut être l'année prochaine comme dans 3 ans. Donc, vraiment. C'est Comment? Mais du coup, tu bosses. Alors, nous donne pas forcément des marques ou des noms, mais du coup, tu bosses dans quel domaine? Bah, en fait, alors, ça va être toujours un peu délicat à expliquer parce que c'est un. Moi, quand je me suis lancée dans le graphisme, je savais même pas que ce type de société existait. Mais en gros, je travaille dans une maison de création de parfums. Donc, c'est un peu niche, mais en fait, par exemple, si une marque souhaite faire un parfum, c'est pas la marque elle-même qui va le créer en général, sauf pour les plus gros groupes. Mais par exemple, si L'Oréal veut créer un nouveau parfum pour tel ou tel produit, ils vont faire comme un appel d'offres, en fait, lancer un brief créatif sur les odeurs qu'ils aimeraient avoir dans leur parfum. Et les maisons de création de parfums vont être appelées à faire des propositions olfactives pour répondre à ce brief. Donc, par exemple, si L'Oréal dit « je veux un parfum à la vanille », il y a plusieurs entreprises qui vont faire des propositions autour de la vanille. Et moi, mon métier dans tout ça, c'est que je travaille donc autour de ces propositions de parfums et j'accompagne chaque proposition avec un univers graphique, que ce soit avec de la vidéo ou avec un booklet. Des cartes, enfin vraiment, c'est juste accompagner chaque proposition olfactive par un décor visuel, concrètement. Une niche qui est hyper Ouais, c'est costaud, c'est vraiment, mais hyper cool. En plus, le ouais. parfum, c'est vraiment, tu sais, c'est le la synesthésie, quoi. Il faut créer un Oui. visuel pour une odeur, c'est vraiment trop cool. Ah C'est ouais. ça me surprend toujours de découvrir encore des facettes du métier, tu vois, après 15 ans dans le monde de la créa et à penser à des métiers auxquels j'ai jamais pensé avant. C'est trop Ouais. marrant. Ah, vraiment, moi-même, j'étais étonnée quand je suis rentrée dans cette boîte parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Et du coup, concrètement, c'est un annonceur, mais on a plein de clients. Donc, un fonctionnement comme une agence. Donc, Ok. très, très intéressant. Voilà, quand je crée des supports graphiques, c'est pour des projets qui ne sont pas du tout sortis avant au moins 2 ou 3 ans. Parce que le parfum, ça met du temps à être Ouais, créé, bah. les validations, etc. Et le temps qu'il y ait vraiment une charte graphique qui soit faite, le flacon doit être créé. Enfin, c'est vraiment tout un processus assez long. Et Est-ce que donc, du coup, c'est la charte graphique que tu mets en place, c'est celle que la marque va utiliser après ou c'est juste vraiment pour non, gagner l'appel d'offres? c'est pour gagner l'appel d'offres. Mais En fait, ouais. parfois, on est amené quand même à faire des propositions pour inspirer ce qui pourrait être la charte finale. Du produit, mais enfin, globalement, les marques font plutôt leur charte à elles. Voilà. On peut essayer Ok. d'inspirer, mais c'est pas moi qui l'ai fait. J'aimerais bien, D'accord. mais Ouais, mais ouais. c'est pas le cas. Ok, et bah écoute, du coup toi tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, puis comme ça on regarde tes projets en même temps. Toi tu as plutôt un profil d'agence, j'ai l'impression. Oui, plutôt, c'est vrai. Donc, j'ai fait, grossièrement, je vais vite revenir sur mes études, mais du coup, j'ai fait 4 ans dans l'école Intuit Lab, donc de communication visuelle et direction artistique, donc niveau master 1. Et suite à ça, je suis rentrée dans une société qui vendait des bouquets de fleurs en ligne, des bouquets de fleurs exotiques. On faisait aussi un peu d'événementiel. Et là, c'est l'un des projets événementiels qu'on a fait. On a bossé pour Perrier. Donc, très, très cool. C'était un événement qui était à Boulogne. Et en fait, on a fait toute la décoration végétale avec les fleurs, les plantes exotiques. Et on a fait ça donc à Boulogne pour cet événement-là. Et également au printemps.
donc à Paris. On a décoré tout un bar, une fausse tour Eiffel. Alors, ça pourrait faire un peu kitsch, mais c'était le brief du client était vraiment très, très original. Il voulait vraiment que ça ait de la gueule. Donc, on a fait ça. Et moi, mon travail dans tout ça, c'était j'ai fait des scénographies, en fait. On a pris des photos des lieux et j'ai fait des maquettes de ce qu'on pouvait proposer, nous, en tant que fleuristes. Et il fallait trouver un concept. Par exemple, sur celui-ci, on a intégré des cartes de jeu parce que ça faisait partie de la thématique de l'événement. Il y avait des fruits partout. Voilà, fallait trouver des petits concepts sympas. Ici, c'était vraiment le jardin luxuriant pour la sortie de nous. C'était des nouveaux goûts de fruits chez Perrier, il me semble. Je ne sais plus lesquels c'était. Mais en gros, il fallait vraiment que ce soit qu'on se retrouve dans une jungle alors qu'on est dans un lieu qui n'est pas du tout végétalisé. Et donc, on avait fait derrière, il y avait toute une partie avec des fruits comme chez un maraîcher. Enfin, c'était vraiment, vraiment sympa. Donc, j'ai fait aussi un peu d'événementiel. Très cool. Oui, ben, j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu nous décris, tu as été pas mal ou tu es encore directement chez l'annonceur. J'ai fait une agence, pour le coup. D'ailleurs, juste après cette société-là. Donc, ici, c'était chez Fleurs Lointaines. Et ensuite, je suis partie chez l'agence Marquise. Et là, il y avait des gros comptes type L'Oréal, Coty, enfin des groupes à qui appartiennent des grosses grosses marques type Hugo Boss, enfin voilà, le luxe quoi. mais ça a été ma seule agence. Ensuite, j'ai fait que de l'annonceur. Ok. Du coup, j'ai vu dans le chat. On a eu des réactions sur ce que tu disais avant. Il y a Tupino qui dit il n'y a pas qu'à Paris. Oui, que l'on pense que c'est difficile à vivre en agence. Stéphane qui dit effectivement, entre les écoles et la vie en entreprise, il y a un gap. Et Christophe nous dit c'est dû à la concurrence entre les designers et les graphistes. C'est dû à la concurrence parce qu'il y a trop de graphistes. À Paris, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de graphistes. Après, je ne pense pas que l'ambiance néfaste soit lié au nombre de graphistes, mais plus au management qui n'est pas tout à fait correct. Mais bon, c'est que mon avis, hein, je ne peux pas parler. Et j'imagine que oui, dans d'autres grandes villes, ça doit être le même problème, mais encore une fois, je ne peux pas parler au nom de qui que ce soit d'autre. Donc... Voilà. Ouais, écoute, il y a écrit quoi ? Moi, je veux voir un autre projet. Et bien sûr. Celui-ci, c'est un projet d'école, d'ailleurs, que j'ai montré dans une vidéo. Donc, je ne sais pas si c'est nécessaire que j'en parle beaucoup. Mais c'était un magazine. Oui, je n'ai pas parlé du fait que j'ai fait un échange universitaire, au Canada, à Québec. Et du coup, ce projet, c'est un projet que j'ai réalisé au Canada. Et d'ailleurs, ça a totalement bouleversé l'image que j'avais du graphisme en général. Au Québec, on accorde beaucoup, beaucoup d'importance aux créatifs et les matériaux qui sont mis à disposition, c'est vraiment incroyable. Donc, le retour à Paris a été un peu... en demi-teinte. Du coup, parce qu'on parle de temps en temps, on parle de ça avec les créatifs qu'on reçoit depuis l'étranger. Oui. Et je serais curieuse aussi de savoir dans le chat, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre le graphisme en France et le graphisme à l'étranger ? Est-ce que c'est plus valorisé à l'étranger ? Est-ce qu'on a... Je ne sais pas non plus. C'est vrai que de mon expérience au Canada, je dis au Canada, mais c'est au Québec, vraiment, j'avais l'impression que c'était hyper... c'était pas un métier... comment dire ? Je ne sais pas comment le dire, mais en gros, c'était vraiment valorisé. Être graphiste, c'était vraiment un bobo métier. Il n'y avait pas de... Enfin, c'était pas quelque chose auquel on avait accès hyper hyper facilement et ouais, je sais pas. Je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est vrai que je sentais que le statut qu'on donnait aux graphistes là-bas était pas tout à fait le même que celui qu'on avait en France. Ok, bah si certains ont des expériences à partager sur le chat, je serais curieuse de savoir parce que après j'ai plein
On reçoit plein de on reçoit tellement de gens ici. Et il y en a plein pour qui ça se passe bien et tout en France. Donc c'est pour ça je suis curieuse. Mais après, c'est vrai qu'on reçoit peu de gens en agence. On reçoit aussi beaucoup, beaucoup de gens qui sont en free. Oui. Et du coup, bah, c'est pas pareil. Et puis en free, on peut se permettre d'avoir des clients qui sont n'importe où. Donc c'est vrai. Mais bon. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, mon travail va beaucoup mieux. Donc. Tout est possible, hein, il n'y a pas de problème. On peut devenir graphiste en France et être heureux, c'est pas la question. Il faut juste trouver un endroit qui nous plaît et qui nous traite correctement. Oui, carrément. Il y a plein de gens qui lancent leur propre studio. Il y a plein de la vie de freelance. Je pense qu'il faut s'entourer des bonnes personnes aussi. Enfin, voilà. Je suis pas complètement pessimiste sur. Non, faut pas l'être. En France, c'est la créativité, mais. C'est vrai qu'il faut bien choisir son agence, quoi. C'est sûr. Oui. Du coup, ça, c'est un autre projet. Celui-ci, je l'ai réalisé en partie sur YouTube. Ce n'était pas du tout un live, mais en gros, j'ai fait une vidéo YouTube juste avant la fin de l'année dernière, du coup. Et je voulais créer des petits posters libres d'accès que tout le monde pouvait télécharger. Pour apporter un peu de joie, de réconfort, et du coup des messages positifs pour l'année à venir. Donc voilà, des petits posters sympas, j'en ai fait d'autres ensuite. Mais c'était pour vraiment m'éclater. Ça. J'aime bien faire des projets qui ne sont pas des demandes de clients, juste pour pouvoir, moi, expérimenter des styles ou me faire plaisir, en fait. Et faire plaisir aux personnes qui me suivent aussi, pour le coup. Ouais. Et puis c'est important aussi pour progresser, rester un petit peu dans le move, parce que si on peut que, surtout quand tu es chez l'annonceur, tu es toujours amené à bosser sur le même genre de projet. Donc pour se développer, c'est important aussi. Ouais. Exactement. Et donc le dernier projet, c'est un projet que j'ai fait pour un client du coup, un réel. C'est pour donc Jamoun Mai, c'est une amie de mon copain qui a créé cette marque. Et en fait, elle travaille avec des personnes en Birmanie. Autour du tissu et des broderies birmanes. En fait, le tissu birman, c'est des très belles matières. La broderie là-bas, c'est vraiment presque une langue à part entière. Il y a des symboles qui veulent dire des choses. Enfin, voilà, je ne suis pas assez experte dans le domaine pour vraiment expliquer à fond, mais c'est vraiment un art là-bas, la broderie. Et donc, Julia, qui a créé Jamoun Mai, veut mettre à l'honneur ces tissus et cet artisanat. Et du coup, on a retravaillé ensemble j'ai fait évoluer un petit peu son identité graphique. Elle voulait absolument mettre le côté artisanal authentique à l'honneur, mais aussi avoir un côté très moderne. Et du coup, on a retravaillé ensemble une illustration. J'ai mis un petit gif. Évoquerait un petit peu les tissus birmans, les couleurs, parce que c'est très, très coloré. Et donc, on a fait des étiquettes pour les vêtements, des étiquettes de vente, pardon, des étiquettes également à l'intérieur des vêtements au niveau des cols et des stickers. Et donc, j'ai habillé le tout avec les illustrations que j'ai faites pour ce projet. Et voilà, concrètement, ça donnait ça. Voilà. Et du coup, j'ai fait également, là, vous voyez ce petit pictogramme. C'est un symbole qui existe réellement. En Birmanie, il y a plein de petits personnages comme ça qui signifient des choses. Et je trouvais vachement intéressant de les inclure dans la charte graphique parce que ça fait partie de leur langue et de leur tradition. Donc voilà, on a fait un gros mix entre modernité et tradition. C'est un peu compliqué, mais... Mais cette marque est très inspirante et puis le projet est hyper, hyper humain. Donc, moi, ça me tenait à cœur aussi de bosser sur ce type de projet-là, de mettre en avant des personnes en Birmanie qui sont un peu en galère ces derniers mois. Mais... Oui, carrément. Bah, écoute, trop cool. Ouais. Ouais. Je ne connaissais pas du tout les petits bonhommes et tout. C'est marrant, je ne connaissais pas du tout ce genre de visuel. Tu vois, ouais, bah c'est vraiment hyper hyper intéressant. C'est assez ancien, hein, mais c'est vraiment très très intéressant. Je suis contente d'avoir pu bosser là-dessus parce que moi non plus je connaissais pas du tout à la base. Et ouais, c'est vraiment des belles matières et des beaux projets
Voilà. Et bon, tiens, on a eu des petites réponses sur notre question existentielle sur est-ce que le graphisme, c'est mieux quand on est en France. Il y a Delphine qui nous dit, je pense qu'il y a un point de vue différent au Canada et en Belgique aussi, concernant la créa et le graphisme. Tico Nio nous dit, les études et le métier de graphiste est effectivement perçu différemment, surtout dans les pays anglo-saxons. La création est moins cloisonnée. Gérald qui nous dit, pour ma part, je trouve que le métier de graphiste est plus valorisé à l'étranger. Cela se ressent déjà sur le salaire, surtout en province. La France ne sait pas retenir ses talents. J'ai envie de ne pas être d'accord avec vous, mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous, finalement, sur tous les gens qu'on a reçus. Il y avait Morgan Gage qui est en Australie, qui nous disait que en fait, bah, la France, c'était... on a tellement une culture, on a tellement plein de choses que c'est un peu coincé. Et elle, en Australie, elle sentait que les gens avaient vraiment envie de créer plein de choses. Donc, les pays anglo-saxons, ils sont... il y a aussi plein de pays qui sont plus nouveaux et du coup, il y a plus, je sais pas, il y a plus une émulation, je pourrais pas dire. Mais bon, on a quand même plein de graphistes hyper stylés en France, mais oui. Ne fuyez pas. Bah, généralement, c'est... généralement, ces personnes-là montent leur boîte, du coup, mais... C'est vrai, ouais, carrément, ce qui n'est pas, c'est pas non, un problème. C'est bien. Moi, j'essaye de vous dépendre la cause de la France, mais depuis le bout du monde, donc... et ben bah, écoute, c'est toi la boss. Qu'est-ce que tu veux, aborder maintenant? Et alors, le thème du live, ça s'appelait repousser ses limites créatives. Oui, exactement. Donc, tu peux nous parler un petit peu de ça. Et ben alors. C'est important pour toi de repousser tes limites. Et... Bah, je trouve que je me faisais la réflexion que. Souvent, quand on est dans un... Alors, moi, je parle uniquement pour les personnes qui pourraient être en CDI parce que c'est mon cas. Et du coup, voilà, j'ai un supérieur hiérarchique au-dessus de moi, pas que freelance du tout. Mais je trouve que quand on est dans une société, on apprend beaucoup de choses. Ça, c'est une certitude. Mais on apprend... j'ai l'impression qu'on apprend pour notre poste et pour notre entreprise elle-même et pas vraiment pour nous. Et moi, je trouve ça dommage. Et du coup, j'ai toujours voulu réussir à avoir un boulot qui me motive et à côté, pouvoir faire vraiment beaucoup plus de choses, voire beaucoup plus grand. Je trouve que c'est important qu'on développe... Enfin, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie, mais je pense qu'il faut apprendre les choses pour soi et pas enfin, pour qui que ce soit d'autre. C'est vraiment un truc important à mes yeux. Par exemple, dans ma société, je ne faisais pas beaucoup de montage vidéo. Et moi, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Et c'est entre autres pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube. C'est que je ne voulais pas perdre la main là-dessus. Et je pense que c'est important de se challenger au quotidien. Il y a quelques mois, j'ai vu un live sur la chaîne de Émilie Viscano. Qui faisait de la typographie et en fait en voyant ce travail je me suis dit mais c'est incroyable, j'adore la typographie mais moi j'ai jamais poussé le vice au point d'essayer d'en faire une moi-même ouais. Et mais en fait c'est bête parce que si on aime ça pourquoi se retenir et je te disais tout à l'heure bah, au pire on essaye et c'est moche mais c'est pas grave et du coup bah, clairement son live m'a donné envie de refaire un logo pour ma chaîne YouTube, ce que j'ai fait du coup ouais. Et pareil, j'ai vu celui-ci. J'ai vu un tuto tout bête sur de la 3D sur Blender. Et puis je me suis dit, bah, vas-y, je vais tenter. Et du coup, j'ai fait mon logo en typo moi-même. Et puis après, bah, je l'ai mis en 3D, en fait. Et je pense qu'il ne faut pas se mettre de barrière parce que bah, on a... je sais pas, la vie est tellement plus drôle quand on apprend des tas de choses comme ça. Ouais, voilà, je pense ouais. Que c'est bien de se lancer des défis. Bah, du coup, il y a Sarah qui demande, est-ce que tu es en freelance? Oui, je fais quelques projets en freelance. Là, j'en ai un sur lequel je suis en train de travailler, qui est une exposition. Je ne vais pas dire beaucoup plus parce que c'est encore en cours, donc voilà. mais oui, j'ai d'ailleurs, depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai beaucoup de connaissances qui savaient que j'étais graphiste, mais qui ne connaissaient pas mon travail, qui m'ont contacté pour me dire « Ah, bah moi, j'ai ça à faire. Est-ce que ça t'intéresserait de le faire en freelance ?» Alors qu'avant, je n'avais pas du tout ce genre de demande. Ou en tout cas, on me demandait de faire ça gratuitement, quoi. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, tant mieux. Carrément.
Je voulais te... Alors, attends. Il y a Alexandre qui nous dit, avec fond de self, pour faire une typo, c'est devenu beaucoup plus simple. Ouais. D'accord. Il y a Julien qui nous dit, peut-être parce que c'est trop long de faire une typo. Désolée, c'est Emma qui parle. Non, fond de self. Tu connais fond de self? Ben non, moi, je connais pas. Fond de self, attends, est-ce que je vais dire une bêtise? C'est un plugin d'Illustrator? Je vais essayer de voir. Oui, Alexandre me dit. Oui, c'est un plugin d'Illustrator, donc vous pouvez dessiner vos lettres ou même écrire à la main et après le jeter dans Illustrator et le jeter dans Font Self et ça fait une typo tout seul. Après, oh, évidemment, c'est pas comparable avec un typographe qui passe 5 ans à dessiner chaque courbe oui. de ses lettres. Mais vous pouvez faire ça assez facilement. Je vais mettre des gros guillemets facilement, mais on peut le faire accessiblement. Trop bien, j'essaierai. Je pense que pour les typos manuscrites, ça peut être cool. Bah, ce que tu me décris là dans la crise existentielle des créatifs, toi, tu le décris comme étant le CDI et quand même rester créatif. Moi, j'ai l'impression qu'on peut l'élargir à il faut manger et on a quand même envie de créer des trucs. Tu vois, je pense que c'est le truc de tout le monde. Est-ce que les gens dans le chat ont cette même souffrance de... Le partager entre bah, avoir des clients et rester créatif et développer son style et jusqu'à ce que bah, les clients, ça soit notre style parfait, quoi. Mm. Ça, c'est un peu la question existentielle de toujours. Et puis, bon, ouais. Parfois, tu as accès à des clients, mais qui ne sont pas vraiment dans la ligne graphique que tu aimerais avoir. Et puis, bon, bah, dans le cas des freelances, tu n'as parfois pas vraiment le choix de les faire, quoi. Ouais, carrément. Mais bon, après, il faut regarder les Adobe Live le vendredi. On vous donne plein de conseils business, plein de conseils marketing. D'ailleurs, la semaine dernière, on a fait vendredi qui était comment trouver des clients. On a fait une heure juste de comment on trouve des clients, comment on les déniche, comment on les cherche. Donc, si vous galérez encore là-dessus, vraiment, n'hésitez pas. Donc, voilà, après, il faut aussi faire partie de la communauté. Regarder tout ce qui se passe et tout, c'est important. Marie nous demande, bonjour Eva, quand on postule en agence, faut-il se préparer à passer systématiquement des tests de type reproduction de maquettes, mise en page, etc. Alors, oui, en général, on demande de faire des tests. C'est pas forcément, enfin, toutes les agences ne le font pas, mais il y a quand même une grande majorité qui demande de faire des tests. Plus ou moins long, parfois c'est juste on est chronométré, il faut faire ça, il faut faire quelque chose en 3 heures ou alors ça peut prendre une journée complète. Je sais pas trop ce que je pense de cette pratique. Moi j'ai déjà fait beaucoup de tests pour des agences. Après, en fait, je comprends la demande des agences parce qu'ils veulent vraiment voir quel est le style graphique de la personne. Parfois un book, ça peut donner une idée, mais c'est pas forcément hyper représentatif de la façon dont la personne travaille dans des conditions réelles d'une demande qui doit être exécutée rapidement. Donc je pense que les agences ont vraiment besoin d'avoir une idée concrète des capacités de la personne qui est en face. Après, je conçois que ce soit un peu embêtant de devoir faire 6 tests quand on passe 6 entretiens, quoi. C'est un peu délicat, mais oui, je pense qu'il faut s'y préparer. Carrément. Bah, je suis curieuse dans les gens qui nous regardent. Est-ce que vous pouvez lever la main? Je ne sais pas. Je ne vais pas vous voir lever la main, mais est-ce que vous êtes plutôt en agence ou est-ce que vous êtes plutôt en free? Parce que je pense que c'est vrai que ce n'est pas du tout la même mentalité. C'est vrai qu'on ne reçoit que des gens en free, en fait. Là, on a plein de free qui lèvent la main à l'arrière. Voilà, moi, je lève la main aussi. Il y a SketchUp Mayo qui nous dit pas toujours simple d'allier création perso qui nous plaise et l'envie des clients. Mmh. SketchUp Mayo nous dit pour ma part, je n'ai pas eu de test pour entrer dans une grosse agence. Tout dépend. Hop. Ouais, toi, oui, on a freelance. Toi, c'était vraiment un choix d'être en agence, du coup ? Oui. Honnêtement, quand je suis sortie de mes études, je ne me suis même pas posé la question du freelance parce que ça me faisait vraiment peur. J'ai une phobie administrative, très honnêtement. Du coup, c'est vrai que c'était pas une option pour moi du tout. Et puis, avec le temps, je me suis dit, bon, bah, peut-être, pourquoi pas en complément d'un CDI, faire de temps en temps des petites missions en freelance. C'est ce que je fais actuellement, mais la phobie administrative est encore présente. Hein, donc,
Ok, bah, écoute, il y a des trucs très bien hein, pour s'occuper. Il y a Freebie, il y a tous ces trucs-là pour faire les factures automatiquement. Donc, ça va bien se passer. C'est pas si terrible que ça. Il y a les gens qui levent la main. Là, c'est un peu partagé. J'ai l'impression qu'il y a plus de freelance. On a freelance, freelance entre les deux. Freelance chez le client, free, agence. Et après, mes heures de travail en free. Free. Pauline Oshka nous dit c'est super délicat de trouver l'entre-deux entre son propre univers graphique et celui du client. C'est vrai. Sketchup Mayo nous dit je suis devenue freelance après 3 ans en agence, c'était un manque de créativité, un salaire trop bas, l'impression de gâcher mon talent. Ah, je te comprends tellement, Sketchup Mayo. Moi aussi. Je te comprends tellement, mais ça fait. Ah, mais j'ai pas tenu 3 ans par contre. Toi, ce serait quoi pour toi l'avantage d'être en agence du coup Les clients viennent directement à toi, enfin, t'as pas besoin de les chercher, donc c'est vrai que c'est un gain de temps quand même assez costaud. T'es sûr d'avoir un salaire à la fin du mois qui est toujours le même, normalement. Enfin, c'est vraiment. Tu veux, ça facilite un peu la vie dans les démarches administratives, t'as rien à faire, quoi. Et puis, t'as le confort des congés payés. Il y a des avantages qui sont. qui sont pas négligeables. Mais quoi ? Mais de quoi tu parles ? Tu dis, ça n'existe pas, ça. Mais non, mais c'est vrai que après, il y a des contraintes aussi, c'est-à-dire que tu peux te retrouver dans une boîte qui ne va pas beaucoup te payer et qui t'augmentera très très peu tous les ans. Et bah, dans ce cas-là, en effet, oui, c'est un problème parce que. Bah, si au fil des ans t'évolues, ton salaire doit suivre aussi. Donc ça, c'est un gros point noir dans certains cas. Et bon, bah, après, c'est vrai que quand t'es freelance, t'as quand même une liberté au niveau de tes projets qui est très, très attrayante malgré tout. Mais c'est vrai que moi, c'est plus pour le confort que peut proposer un CDI que je suis encore, quoi. On a plein de... Vous êtes trop mignons sur le chat, on a une vraie conversation, quoi. Nicolas qui nous dit, c'est kiff-kiff, même en freelance, je trouve, sur ce sujet, parce qu'en tant que freelance, on se retrouve aussi à travailler pour plusieurs agences, et parfois, le travail ne nous appartient même plus. C'est vrai que j'ai fini par monter ma propre boîte. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Et Pauline Oshka qui nous dit, au final, c'est cet équilibre entre ces deux univers qui te fait le plus grandir et sortir de la zone de confort. Et au final, évoluer. Carrément. Un petit peu. Hop, on a free agence. C'est assez partagé hein, sur du côté YouTube, là, pareil. Alors, je suis très étonnée de savoir ce que les gens en agence font sur le live, hein, par contre. Mais je juge pas, hein, je juge pas du tout. Oh. Un casque, un deuxième écran. Hop, c'est bon. Ça, Mais j'apprécie que vous soyez là, par contre. Bah après, on a plein de gens qui nous écoutent en travaillant, en fait. Oui, oui, oui. Non, mais oui. C'était une blague, t'en fais pas. Écoute, c'est toi la boss. Qu'est-ce que tu veux aborder ? Je peux vous montrer 2-3 autres petits projets sur mon Instagram plus pro, si vous voulez. Ouais, t'as 2 Instagram du coup. Ouais. Alors en fait, mon vrai Instagram, ça va être mon Insta qui est plus perso. Je parle aussi de YouTube dessus et je mets quelques-unes de mes créations, mais ça reste très light. C'est plus des photos, des photos de ma vie quoi dessus. Mais là dernièrement, j'ai eu envie de faire de la photo de texture, du coup, j'ai mis ça à l'honneur pour l'instant. Mais oui, c'est vraiment mon Insta perso. Et en fait, en parallèle, vu que j'avais des demandes de projets un peu plus freelance qui commençaient à arriver, j'ai eu le sentiment qu'il était temps pour moi de créer un Instagram un peu plus professionnel où je pourrais, pourquoi pas, démarcher des entreprises ou des clients. Et donc, il fallait que ce soit moins perso. Oui, il est encore tout léger, ton Instagram. Oui, 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 il a été ouvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et à nouveau, je n'ai pas des projets freelance tous les jours. Donc, ça reste
Ça reste assez léger, mais... Bah, et puis du coup, tu n'as pas aussi le même besoin de te marketer, Oui. de faire de la promotion pour ton travail et tout. Oui, c'est clair. Mais je pense que pas dans l'immédiat, mais je pense que d'ici quelques années, j'aurais probablement envie de me lancer plutôt en freelance qu'en entreprise. L'envie se fait de plus en plus forte, malgré la phobie administrative. Et, Mais qu'est-ce qui fait peur? Je comprends pas. C'est quoi la phobie administrative? J'ai peur des papiers. Mais définis papier, c'est quoi? C'est faire les factures? Ouais, les déclarations à l'URSSAF, déjà là, ça me stresse. Je sais pas, c'est Ouais, on a complètement plein de moyens irrationnel, de gérer mais. ça, hein. C'est pas si compliqué que ça, hein, je te jure. Ouais, je sais pas, les chiffres me font peur. J'ai fait un bac L, alors je t'avoue que moi, Ah oui, non, les mais t'inquiète pas, calculs, les chiffres, ça c'est seulement si tu gagnes 2 millions d'euros pour ta première année, mais tu vois, c'est ce que je te souhaite, mais sinon, globalement, on s'en sort, hein. Bon, j'y réfléchirai. Mais oui, non, pour l'instant, je ne me sens pas encore prête, mais enfin, à me lancer totalement en freelance, mais c'est vrai que ça commence à vraiment me titiller pas mal. Et surtout, j'aimerais vraiment développer un côté un peu plus photographique et plus manuel. Là, dernièrement, j'ai eu très, très envie, et il faut que je mette ce projet vraiment dans mon... le haut de ma to-do list, mais j'aimerais bien faire des mobiles. Je sais pas si c'est très clair, tu sais, des mobiles, c'est des pièces de métal qui sont en suspens, qui tournent. Je sais pas si c'est très clair. Ben, allez, go, c'est parti. Mais en gros, j'aimerais bien faire ça et bah, du coup, pas mal de photos aussi. Et du coup, je me disais que ça pouvait être intéressant de commencer cet Instagram pour. Bah, commencer à me montrer, quoi, mais c'est vrai que c'est pas une urgence absolue étant donné que j'ai mon travail et que je compte y rester pour l'instant encore. Bien. Voilà. Mais oui, dis-moi, pardon. On a plein de gens mignons dans le chat qui t'envoient plein de soutien sur les. Oh. SketchUp Mayo qui dit Eva, moi aussi j'ai une phobie administrative et c'est ce qui me faisait peur dans le fait de devenir free. Et en fait, oui, ça va, c'est pas si horrible. D'accord. Nicolas qui me dit pareil, moi aussi je sors de L et pourtant j'étais freelance 4 ans et maintenant SARL, mais tu as des services qui t'accompagnent dans les déclarations. Ok. Voilà. Et il existe plein de nouveaux outils et apps pour t'aider à gérer tout ça. Je vous raconte un petit peu tout ça parce que je pense que dans tous les gens qui nous regardent, il y a des gens qui sont dans la même situation en fait. Et Louise, pareil, t'inquiète, malgré la phobie, on s'en sort, crois-moi. Ouais. Donc, ouais. Au pire, il faut prendre Écoute. quelqu'un. Tu vois, Oui. il y a toujours des solutions. Mais surtout que j'ai plein d'amis freelance, hein, donc si c'était vraiment infernal, je le saurais, et c'est pas le cas. Donc, et je sais Non. pas, la TVA et tout ça, c'est. Mais la TVA, il faut déjà y arriver à la TVA. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a chaque étape en son temps, quoi. Oui. C'est genre, oh là là, l'impôt sur la richesse, Oh là, ça me... Oh mon là Dieu, là, ça me fait vraiment! peur, je préfère rester en agence. L'impôt sur la fortune, moi, c'est pas pour moi. On n'y est pas Pas encore, du hein. tout pour moi. Non, moi, c'est... Vivement, tu vois, je vous souhaite que ça. Merci. Moi aussi, je me souhaite que ça, hein, Ben franchement. oui, avec un business de linogravure, pourquoi pas? Non, mais carrément, ouais. Non, non, franchement, ouais. Euh. Et bah, écoute, est-ce qu'on ne retournerait pas voir ta chaîne YouTube? Moi, c'est comme ça que je t'ai trouvée, Oui, donc. yes, pas de souci. Qu'est-ce que je peux te montrer? J'ai pas tant de vidéos que ça, hein, finalement. Je l'ai ouverte il y a. Un an et demi, je dirais. Ouais. Enfin, ma première vidéo, bah, ouais, il y a un peu plus d'un an. Je sais pas combien de vidéos j'ai, mais. Est-ce que tu as juste posté les vidéos et tu as attendu que ça pousse tout seul ou est-ce que tu as fait vraiment de la promotion et tu as partagé et tout pour qu'il y ait des vues? Bah, ça, c'était aussi la plus grande phobie. C'était bah, la première vidéo que j'ai. Aujourd'hui, là, on voulait de l'amour ou Stressé, pas hein, des très phobies? stressé. Qu'est-ce qui se En fait, j'ai fait ma. Alors, il faut savoir que ma première vidéo YouTube, c'est pas ma première vraie vidéo YouTube. J'en ai fait d'autres avant que j'ai supprimées parce que j'avais honte.
Mais celle-ci en particulier, je l'ai lancée bah, du coup, pendant le confinement et j'en ai fait un petit peu la promotion sur mon Facebook. Et c'était ça, je ne sais pas pourquoi, mais le fait de m'exposer en vidéo sur Internet et que des connaissances à moi, pas des amis, parce que mes amis, je sais qu'ils ne me jugeraient jamais, mais des connaissances puissent tomber dessus, ça me terrorisait. Mais vraiment, parce que en fait... on n'est jamais vraiment maître de l'image qu'on renvoie, même s'il y a du montage et qu'on essaye de paraître sympa. Voilà, on ne sait jamais comment on est perçu par les autres. Et j'avais très, très peur qu'on pense que je sois égocentrique ou imbue de ma personne, j'en sais rien. Mais c'est une très grande peur pour moi. Du coup, j'ai fait un peu de promotion, mais pas beaucoup. Et puis, sur Facebook et Instagram un petit peu. Mais pas plus que ça. Du coup, comment tu as fait pour dépasser cette peur? Parce que tu as déjà ouvert une chaîne, parlé devant une caméra. Tu vois ce que je veux dire? C'est déjà un gros step. Mais je pense que c'est parce que j'ai eu beaucoup de soutien de mon copain et de mes amis. Je sais que chaque vidéo, j'essaye de la montrer à mon copain avant de la publier. Pas pour qu'il me dise si c'est bien ou mal, mais... juste pour me rendre compte si je suis moi-même ou pas. Intéressant ça comme feedback. Ouais, je sais pas, parce que on se retient toujours un petit peu devant la caméra. On parle pas vraiment à une personne, donc on a des manières qu'on n'a jamais en vrai. C'est ouais. Rigolo. Et du coup, ça lui est déjà arrivé de te dire non mais ça c'est pas toi. Alors pas de cette façon-là, mais oui. Oui, c'est ça. Non, mais par exemple, dans mes mimiques de visage, je crée des nouvelles mimiques de visage que je n'ai pas en vrai et je ne m'en rends pas compte. D'accord. Même dans ma façon de parler, il y a une retenue alors que je suis quelqu'un d'hyper expansif et enthousiaste et tout ça. Et en vidéo, okay. Ça ne se ressent pas tant que ça, je trouve. Et je n'arrive pas à contrôler ça pour l'instant. Et donc voilà, c'est pour ça que j'avais peur du retour des gens parce que ce n'est pas tout à fait moi quand même. Et du coup, pour pallier à ça, je switch un petit peu, mais j'ai créé une chaîne Twitch qui n'a pas encore de contenu, mais parce que je pense qu'en live, je suis quand même vachement plus moi-même que dans une vidéo que je vais monter et couper. Parce que quand je rigole trop fort, évidemment, je ne vais pas le laisser au montage, alors que ça fait partie de ma personnalité, mais ça passe pas en vidéo. Quoi. Ah, c'est marrant. Ouais. Ok. J'avais vu un tip, parce que... moi, j'ai beaucoup retenu, en fait, pour les lives, pour ici, c'est je sais plus quel YouTuber qui disait que, en fait, sa personnalité sur YouTube, c'était lui, mais c'était 110%. Ah ouais. Tu vois, c'était une version amplifiée de qui il est dans la vraie vie. D'accord. Et je trouvais que c'était un super bon tips, en fait. C'est drôle. J'essaye de me connecter à ça avant chaque live. Généralement, c'est moi, mais avec un peu plus la pêche, avec ouais. un peu plus au taquet, un peu plus. Je trouvais que c'était un super bon conseil. Voilà. Mm. Si ça peut t'aider ou vous aider, dites-moi ce que vous en pensez. Faire un peu grossir sa personnalité comme ça pour faire ressortir les traits, quoi. Ouais. Je pense qu'il faut juste que je me détende, hein, mais après un an, c'est toujours pas tout à fait ça. Donc, bon, on va essayer en live, je pense que ce sera plus simple. C'est déjà cool de se jeter à l'eau, tu vois. Il y a Julien qui dit pour le coup, je comprends tout à fait, se retrouver filmé comme ça, ça doit être terrifiant. Oui. La semaine, c'est terrifiant. Bah, en fait, dans la vraie vie, face à quelqu'un, tu peux faire des blagues, et face à ta caméra, ça. Ça n'a pas lieu d'être, quoi. Donc, moi, je lui fais des blagues à ma caméra. Bon, bah écoute, c'est très bien, bravo. Moi, j'y arrive pas du tout. C'est vrai. Bah, ou sinon, des interviews, tu vois, parler à quelqu'un, ça peut aider. Ouais, j'aimerais bien faire des vidéos avec d'autres personnes, mais c'est un peu... potentiellement, je vais participer à un petit projet avec une autre personne, mais pour l'instant, j'ai pas de binôme. Enfin, je pense que je filmerai des vidéos avec mes potes, qui sont eux aussi graphistes, pour commencer. Carrément. Non, mais écoute, ouais, mais ce serait cool de bosser avec d'autres personnes. J'aimerais beaucoup. Parce que, en effet, quand tu es seule face à ta caméra, c'est sympa, mais c'est pas très drôle. Après, c'est un super entraînement. Hein. C'est un super challenge. C'est un super entraînement. Moi, je vous le conseille
Enfin, ça dépend, je vous le conseille si vous avez envie de faire des vidéos ou parler à des gens sur YouTube. Hein. Oui. Mais ouais, carrément. Yes. Mais ouais, bah, écoute, hein. Je croise les doigts pour que des projets de ce type se débloquent. On verra. Carrément. Il y a Nicolas qui est en train de partager. Il y a un deal de contact de personnes qui s'occupent de l'administratif pour les créas et frigates. Donc il est en train de partager les noms. Ah bah je prends avec grand plaisir. Allez. Bah du coup on va vous partager ça sur le Discord. Il a dit qu'il partageait ça. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas encore sur le Discord de Adobe, n'hésitez pas à aller sur le Discord de Adobe. Comme ça, si vous avez des petites questions et tout, on est là. Écoute, je voulais aussi vous parler, pendant qu'on a un petit peu de temps là, la semaine prochaine, vous savez ce que c'est la semaine prochaine? J'allais dire, c'est les vacances sans les congés payés pour nous, mais c'est là, surtout la semaine de Adobe Max. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire, comme d'habitude, c'est gratuit, c'est en direct encore cette année, faute à la fin du monde dehors. Mais franchement, l'année prochaine, j'espère qu'on pourra y aller. Et puis voilà, alors c'est mardi, mercredi, jeudi, Alex m'a dit. On n'est pas sûr, mais il me dit oui quand même. Donc nous, du côté Adobe, on ne sera pas là. Enfin, du côté Adobe France, on ne sera pas là. On va vous mettre un petit message. Mais par contre, il y aura des milliards de lives toute la journée pour parler de ça. Et surtout, la semaine d'après, on va faire un Back from Max où on va vous faire une méga semaine. Je crois qu'il y a Franck le matin et moi l'après-midi, tous les jours, pour vous parler de toutes les nouveautés, de tout ce qui sort sur les logiciels, voilà, avec toute la famille, les invités qu'on aime bien. Et j'ai vu Nicolas qui est dans le chat, il sera là avec nous. Marie, avec qui j'ai fait les portfolio reviews, qui sera là avec moi. Et on va parler de plein de trucs cool. Voilà, c'était mon interlude à Adobe Max. Je te rends la parole. Pas de souci. Oui, je voulais dire un truc un peu étonnant. Mais du coup, on s'en parlait un peu plus tôt, mais avant, donc, j'étais à Paris et j'ai déménagé pour vivre à Brest. Oui, aujourd'hui, il fait moche, mais normalement, il fait plutôt beau. Je vous interdis de dire qu'il fait moche en Bretagne. et bien, bizarrement, changer de ville, ça m'a vachement donné envie de créer des choses... avec mes mains. Je ne sais pas pourquoi, si c'est l'espace en plus ou la nature, mais j'ai vachement envie de créer des choses plus du côté art que vraiment graphisme. Du coup, je pense que je vais exploiter ça un petit peu potentiellement aussi en vidéo, faire des studios vlog ou je ne sais quoi. Mais j'ai changé de ville et niveau inspiration, ça me réussit beaucoup. Donc, ouais, ça renouvelle un petit peu quand tu dis avec tes mains. Typiquement, j'aimerais bien faire des bijoux avec mon copain qui lui a une formation à la base dans ce domaine-là. J'ai vraiment envie de travailler les métaux en ce moment, soit avec de la découpe laser, soit avec des scies à métaux. J'ai envie de créer des choses et je suis très très inspirée par le travail de Natasha Birds. Je ne sais pas si tu veux... Bah, tiens, est-ce que tu peux nous ouvrir un petit onglet et qu'on regarde ça? Yes. C'est avec un S ou... je vais aller sur son Insta. Elle est en train de créer typiquement le genre de choses que j'adorerais faire. Elle a créé Maison Birds récemment, enfin elle a ouvert Maison Birds récemment, et c'est un lieu où elle vend des créations à elle, que ce soit de la poterie, des objets, il y a des prints également, il y a de la nourriture, enfin juste c'est trop trop beau, et j'adorerais un jour avoir ma propre entité comme ça, avoir un studio graphique qui soit aussi salon de tatouage, qui soit aussi un lieu de vente d'objets, de déco. C'est magnifique et j'admire vraiment son parcours parce que elle a été sur YouTube aussi, plus trop maintenant. Bah, mais du coup, on l'a reçue. On va vous partager la session, mais moi je l'ai déjà reçue en invité. Ah, trop chère. Bien, mais je l'ai pas vue. Ouais, ouais, carrément. C'était il y a un bout de temps, mais elle est venue nous voir. Le monde est petit. Voilà. Ah, ouais, elle m'inspire énormément. Trop, trop bien. Je veux devenir aussi créative que cette personne. Voilà.
Quand tu dis créative, c'est quel aspect? C'est le fait qu'elle touche à tout, qu'elle fasse plein de Ouais, trucs vraiment. J'ai l'impression qu'elle est partout, elle fait de la peinture, elle fait. Enfin, et puis elle se donne les moyens de le faire aussi. J'ai l'impression qu'elle ne se met pas de barrière. J'ai vu que Oui, quand quand elle elle fait a. une peinture, c'est une peinture qui fait 2 mètres de haut. Quand elle Oui, fait un voilà. truc... Et puis c'est surtout que quand elle a commencé la peinture, il me semble qu'elle avait dit qu'elle n'avait aucune notion à la base d'illustration, ou très très peu, elle n'a pas pris de cours. Et ça ne l'a pas freinée, elle ne s'est pas dit, bon, bah, mon corps, il sera un peu difforme. Juste, elle commence à dessiner, quoi. Et je trouve que c'est vachement important de penser la vie comme ça et de jamais se limiter. Voilà, donc grosse, grosse inspiration de cette personne. Carrément. Bah tiens, si tu veux nous partager des gens que tu aimes bien, c'est le moment. On a Eh d'autres en stock. On aime bien, bien j'avais. découvrir les gens. Eh bien, je ne sais pas si vous la connaissez, Marion Lim, c'est une fille qui fait globalement beaucoup de 3D, mais elle a aussi fait le logo de Eke. Je ne sais pas si ça te parle. C'est le logo pour Le Coin d'Élodie qui a lancé sa marque d'objet design. Et en fait, moi, j'ai connu Marion avant qu'elle fasse ce logo, mais je me suis rendu compte qu'elle l'avait fait et je le trouve trop cool. Et elle fait de la 3D et elle a plein de petits projets. Elle est encore étudiante, il me semble, pour très longtemps d'ailleurs, je crois. Mais c'est une personne hyper intéressante et toute gentille, enfin, vraiment un amour. Ses projets sont juste trop, trop beaux. Elle fait souvent des mises en scène comme ça, de pièces en 3D, et c'est magnifique. Vraiment, j'admire son travail. Moi, je J'aimerais connais. pouvoir faire de la 3D comme elle, mais on n'y Oui. est pas encore. Mais il faut commencer par ouvrir son logiciel de 3D. Généralement, Tout à c'est fait. chaque étape prend son temps. Ouais. Puis elle fait aussi, là, elle en a, je crois pas qu'elle les a mis sur son Instagram, mais elle avait un projet de tapis. Elle faisait des tapis toute seule à la main. Et il me semble qu'elle a une chaîne Twitch également. Voilà. Mais vraiment super inspirante comme personne et vraiment adorable. Voilà. Ouais, carrément. C'est trop marrant les tapis là. J'ai vraiment vu ça Ouais. depuis cette année. On a reçu quelques invités et qui sont allés au Punch Needle là, aller faire Oui, des tapis grave. leur truc. C'est trop cool. Ah ouais, ça m'a J'ai donné envie de le faire fait ça aussi. avant et j'ai vu que ça c'est vraiment sorti sur Insta cette année. C'est assez cool quoi. Mais c'est trop bien parce que finalement, on se rend compte que bah, si on veut quelque chose, on peut le faire soi-même. C'est génial. Ah ouais, à notre époque, franchement. Tout faire, on peut tout faire. Je pense qu'on peut tout faire. On peut faire quand même pas mal de trucs, quoi. Oui, c'est clair. Alexandre nous dit dimension par exemple pour commencer la 3D. Ok. Ah non, Je pour vais commencer la tester. 3D. Ah ouais, Pierre qui fait même la promo des lives Adobe. Ils sont bien quand même, les gens qui nous regardent. Eva peut aller voir les lives de monsieur Alexandre Becquet qui nous parle de dimension, c'est trop cool. Yes. Le note. Et il y a Pipe le New qui dit pour la 3D. Ceux qui veulent démarrer avec Blender, il y a Michael, MYKOL, sur YouTube qui fait de très bons tutos. Ok, D'accord. je note aussi. Ouais. Bah écoutez, n'hésitez pas si vous avez des petites questions. On arrive doucement à la fin. Demain, vous allez retrouver Dessinons ensemble avec Kyle Webster. Encore, c'est cool qu'il soit là souvent, là. Moi, je suis contente qu'on voit Kyle souvent, ça va être hyper chouette. Et bah, toute la semaine, hein, comme d'habitude, vous savez, on est là tout le temps, sauf la semaine prochaine. Mais vous aurez Max, donc vous pourrez quand même vous consoler. Et puis, voilà. Je vois pas de petites questions dans le chat. Si tu as un mot de la fin, c'est le moment. Bah, ne vous mettez pas de limites, hein. On n'a qu'une vie, il faut faire ce qu'on veut faire et puis voilà, Voilà. profitez. On ne vit qu'une fois, c'est Oui, parti. Il y a Luc qui nous dit Michael, exactement. c'est un grand bonhomme. Je ne connais pas du tout. C'est un français ou pas? Je vais aller voir ça. J'en ai pas non plus. Ouais, trop trop bien. Clémentine qui nous dit oui, il y a le Digital Painting School aussi pour Blender. Vous l'aviez invité aussi. Et bah Trop carrément, bien. on va aller voir ça. Ouais. C'est dur de trouver des créas qu'on n'a pas encore reçus ici. Hein. C'est trop cool, on a reçu Ah bah, tellement je peux vous envoyer une liste, hein, mais ça de va être un peu T'inquiète pas. long. On a notre petite liste.
Si vous avez envie qu'on reçoive des gens aussi, n'hésitez pas à nous envoyer des suggestions. Et puis voilà. Passez une bonne semaine. Je vous envoie plein de bisous. Merci Eva d'être venue. Voilà, merci, merci à vous. Eva, et bon courage pour la suite. Merci à tous d'avoir participé sur le chat. Merci infiniment d'être là et d'être toujours au taquet. C'est tellement chouette. Les lives, ce ne serait pas pareil hein, s'il n'y avait pas la petite communauté, franchement. Voilà, donc je vous envoie plein de bisous. Passez une super semaine. Et bah, moi, je vous retrouve vendredi. Et demain, vous avez froid. C'est parti. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.